Impella Unstoppable, des jeunes filles fortes et sans stéréotypes. 9 jeunes filles ont partagé leur histoire, leur vécu, mais aussi leur force hier durant le TEDx Youth Antananarivo au Panorama Antananarivo. Cet événement, organisé dans le cadre de la Journée internationale de la fille, a mis en avant des filles fortes, inarrêtables et sans stéréotypes, thème de la célébration co-organisée par l'UNICEF et l'UNFPA en collaboration avec la plateforme TEDx Antananarivo. Alors qu'elle n'avait que 7 ans, la jeune Fnarch, âgée aujourd'hui de 17 ans, a été critiquée sur son physique. Elle a traversé des périodes difficiles. Imaginez-vous, à l'âge de 7 ans, on vous critique déjà sur votre physique. Moi, ça ne m'a pas vu du tout. J'ai donc commencé à avoir des complexes sur mon corps. J'ai donc commencé à avoir honte de moi. Et j'ai perdu toute confiance en moi. Ma famille m'a conseillé de faire du sport pour me défouler. J'ai donc commencé à l'âge de 7 ans et demi le tennis. Au fil du temps où je jouais, je me suis rendu compte que j'aimais ce sport. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'irai pas plus loin en fait. Et à chaque fois que je parlais de mes projets à mes proches ou à mon entourage ou à n'importe quelle personne, tout le monde me disait, mais Fnarch, tu sais, le sport de haut niveau, c'est pas pour les grosses. Hein. Fnarch est aujourd'hui joueuse de tennis et évolue au niveau national, régional et international. À travers leurs témoignages, les jeunes filles ayant pris la parole ont transmis des messages aussi forts les uns que les autres. Ce TEDx était ainsi une occasion de célébrer ces jeunes filles qui ont osé surpasser les différents obstacles et osé dire tout haut ce que les adultes chuchotent ou ne se disent pas et d'inspirer les autres filles, femmes et jeunes de Madagascar pour oser aller de l'avant.